Salut les amis, ici Bigou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de World of Tank Beats. Aujourd'hui, je suis en chère compagnie de Bello93 et nous allons partir au combat. Donc pour sa part, ça sera le Comet et pour la mienne, ça sera le J-Panther, char de tiers de niveau 7. Allez, c'est parti, on part en Maninoskan en hiver. À vos souhaits. Donc pour Bello93, c'est un véhicule léger de véhicule moyen, pardon, un char moyen, parce que sinon je pense que je vais me faire appeler Arthur. Donc pour sa part, c'est un char moyen. Et pour la mienne, c'est un chasseur de char. Voilà, souhaitez-nous bonne chance, j'espère qu'on va y arriver, hein, parce que bon, ça serait sympa quand même. De Dieu. Quoique, attendez, non, j'ai peut-être des bêtises, lui, c'était un char léger. Oh, je sais plus à force. Oh, avec ces chars. J'allais dire, c'est chars qui puent. C'est chars légers, les moyens, les lourds. Je suis perdu dans ma tête. Enfin, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et souhaitez-nous bonne chance, absolument, ouais. Allez, on est parti. Donc on avance doucement, hein, parce que bon, c'est quand même attention, parce qu'à mon avis, il y en a certains, des fois, ils se mettent sur au niveau des dudunes. Donc voilà, on se sert des bâtiments pour éventuellement se cacher si besoin. Donc là, pour l'instant, il n'y a personne. Donc là, comme vous voyez, j'ai mon ami qui est en soutien là-haut en cas de problème. Donc là, on en a deux. Allez, c'est parti, j'avance. Ah ben, on en a déjà perdu, hein, ça commence bien. Allez, monte, monte, petit. J'ai un IS-3 qui me suit. Enfin, qui me talonne. En tout cas, je tiens à signaler une petite dédicace à vous tous, les amis. Voilà, ça me fait énormément plaisir. Oh, bah attendez, regardez, j'ai un confrère qui est là. Allez, voilà. Ah bah, j'en ai un deuxième qui est là, d'ailleurs. Ah, puis lui, à mon avis, comme vous dites, les amis, c'est un Afeka, celui-là. Ah non, bah malheureusement, il a fallu une douille pour qu'il se mette à bouger. Et pourquoi tu bouges, toi? Pourquoi t'as bougé, là? Pourquoi tu veux bouger, là? Ça sert à rien de bouger. Ah. Ouh! J'ai bien fait d'avoir reculé. Ah, forcément, il y a l'IS-3 qui s'est mis juste devant. Oh oh, voilà. Allez, on continue. Bon, on en a déjà eu un, c'est déjà pas mal. On va essayer de continuer. Hop là, toi tu vas où là? Alors, on va essayer de l'immobiliser. Ah, dommage. Allez, dépêche-toi de recharger. Dépêche-toi. C'est bon. Voilà, j'ai l'IS-3 qui se met devant. Allez. Non, allez! Oh là 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 là, dommage! Bon. Allez, je vais avancer. Oh là, qu'est-ce qu'on a là-bas? Oh, un Ferdinand! Oh là la vache! Oh, qui va me faire mal! Ça va, il m'a loupé. Ouais, ça c'est dommage. Et là, je pourrais plus le pénétrer. Donc il va falloir que je recule. Ça sert à rien que j'essaye de m'avancer. Bon, on sait déjà qu'il est... Ah là 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 là, on en a perdu un. Alors, c'est quoi qui est là-bas? Un L4. Est-ce que je pourrais lui mettre une cartouche? Forcément. Vous entendez les corbeaux de la mort? Ah, là, normalement, je devrais peut-être pouvoir... Ouais, on l'a eu. Super. Allez, on continue. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore en position de force. Donc là, on a un T28 qui est là-bas.
Alors, j'ai mon ami, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, mais lui, il a un char plus rapide que moi. Donc moi, je vais couper. Ah, bah attendez, j'en ai un qui est là-bas. Eh, autant en profiter. Ah, dommage. Allez, 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 allez. Ah bah, ils sont tous les deux là-bas. D'accord, bon, vous avez vu, hein, ça a tiré. Alors, l'IS est parti tout seul. Ah, 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 vite, 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 vite. Ah, dommage. Donc là, on va essayer de... Voilà, donc l'IS est là-bas. On va éviter de se faire repérer au maximum pour pouvoir... Hop là, allez, dépêche-toi. Tant qu'on se fait pas repérer, c'est bon signe. Voilà. Alors là, on le voit. Très bien placé. Super. Ça y est, je suis gaulé. Donc là. Voilà. Allez. Ça c'est fait. J'ai pris deux cartouches. J'ai perdu les trois quarts de... Et là, ici, je ne peux rien faire. D'accord. Bon, bah c'est fait. Eh ben écoute, Bello, tu es tout seul, c'est dommage. Hein. On se sera, bah, de toute façon, on est les seuls à en avoir eu bah, deux chacun. Voilà, pour l'instant, les autres se sont tous fait déglinguer. Donc le problème, c'est que le T28, il est quand même en bonne forme. Après, l'IS, je sais qu'il est salement moché. Et le VK45, lui, il est à la moitié. Alors, ouais, voilà. Ah bah non, en fait, je disais des conneries. Donc là. Oh, dommage. Oh la vache, il lui reste plus que 10 points de structure. En sachant que le comète recharge assez vite. Et voilà, forcément, à la fin, de toute façon, ça ricoche tout le temps ou ça pénètre pas. Ah. Allez. Bien joué. T'en as eu 3. Ensuite, donc là, je sais pas si c'est l'IS, je pense qu'à mon avis, ça doit être l'IS qui est sur la base. Le suspense, les amis, le suspense! Que va-t-il faire? La bataille... Ah, dommage, on n'a pas eu assez de temps, j'ai pas fait attention au temps. Bon, bah voilà, on a eu... Bah, c'est bien, dans un sens, on a eu quand même une égalité. Bah, comme quoi que vous voyez, hein, Bello et puis Bigouf, on a géré, mine de rien. Il en a eu 3, j'en ai eu 2. Dommage, je me suis fait éclater comme une merde à la fin, mais bon, tant pis. C'est le jeu, je cherchais le terme. Et bah, écoutez, les amis, il me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut les amis, gros big up à vous tous. Ciao!